Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de nouvelles recrues dans la tanière des lions, venez avec nous découvrir qui a été appelé dernièrement par le capitaine Rigobert Sombahanak. Brian Mbouemo a décidé de jouer pour le Cameroun. Au lendemain de l'officialisation de cette annonce par la Fédération Camerounaise de Football, l'attaquant de Brentford en première ligue a expliqué qu'en rejoignant les Lions Indomptables du Cameroun, il pourra accomplir son rêve de participer à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est mon rêve de jouer la Coupe du Monde, ce serait très bien, mais si je gagnais un trophée comme la CAN, je serais très heureux. A déclaré le joueur de Brentford, mon père est Camerounais et je me souviens quand j'étais très jeune, je regardais la Coupe d'Afrique des Nations avec lui et j'ai dit que je voulais jouer avec eux un jour, a-t-il poursuivi. Sur les réseaux sociaux, Mbouemo s'est dit prêt à relever ce défi. Impatient de commencer cette nouvelle aventure, a tweeté le joueur de 22 ans. C'est une immense fierté et une joie que j'ai choisi de représenter les couleurs de mes origines qui sont le Cameroun, commenta-t-il sur Instagram. La saison dernière, Brian Mbouemo a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives en 38 matchs de championnat avec Brentford. Il va apporter son exclusivité à la ligne d'attaque des Lions Indomptables. Dans un communiqué de la FECAFOOT, a expliqué que cet aboutissement est le fruit de maintes discussions du président Samuel Eto'o avec le natif d'Avalon en France. Par contre, à peine arrivé, la pression monte. Peu après l'annonce de la FECAFOOT via un communiqué, l'ambassadeur des Lions Indomptables, Patrick Boma, a exprimé ses attentes. « On attend de ton pied gauche des ravages. Welcome on board », a commenté l'ancien meneur du jeu de l'équipe du Cameroun. De son côté, Brian Mbouemo se dit heureux de représenter les couleurs de ses racines. « C'est une immense fierté et joie que j'ai choisi de représenter les couleurs de mes origines, qui sont le Cameroun. Impatient de commencer cette nouvelle aventure », a-t-il indiqué. S'agissant des informations personnelles, Brian rejoint le centre de formation de l'ES Troy AC en 2013 à l'âge de 14 ans, après avoir longtemps joué dans le club de sa ville natale, Co-Avalonais. Après avoir joué avec les équipes jeunes et réserves du club de Troyes, il intègre l'effectif professionnel en 2018. Il joue son premier match professionnel le 17 février 2018 en entrant en jeu contre le FC de Metz pour la 26e journée de la Ligue 1, puis entre à nouveau en jeu contre le Stade Rennais, le Montpellier, le HSC ainsi que l'AS Monaco. Au terme de la saison, le club est relégué en deuxième ligue. Le 5 août 2019, après sa belle saison, il a été transféré à Brentford FC qui évolue alors en deuxième championship. Il sera ensuite sélectionné à plusieurs reprises dans l'équipe française Espoir. Le natif de Avalon rencontre la Coupe Gambardella en 2018 avec le S3 AC. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !